Et c'est tout le monde, c'est Galax, mais aujourd'hui c'est Far Cry 5 pour la suite de l'aventure. J'espère que vous allez bien, bande de Galaxien, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle mission principale. Alors c'est vrai que j'ai du mal à distinguer les missions principales des missions secondaires, car je trouve que même les missions secondaires sont assez intéressantes dans le jeu mine de rien. Alors retour à Wattail Mountains. Alors oui, je vous avais dit qu'effectivement on resterait dans une seule région pour la compléter à fond, mais non, on va aller un peu checker à droite, à gauche, effectivement, peu importe la région. On va on va faire comme pour le let's play principal de l'histoire. On va se balader un peu partout, on va faire vraiment ce qu'on veut, voilà. Allez, allons-y. Donc on a une mission apparemment ici, mission principale comme je vous le disais, donc que j'ai trouvé d'ailleurs cette mission dans une autre région, effectivement, dans la région Holland Valley. Alors attention, mon dieu, laisse-la tranquille, je te le dis. Alors attends, je me permets quand même de piller effectivement le loup. Alors la dame se faisait attaquer par le loup, ça c'est pas gentil. Merde, j'ai bien cru que j'allais y rester. Merci de m'avoir aidé. Au fait, moi c'est Sarah. Sarah Perkins. J'étais à la tête d'une équipe chargée d'étudier les loups du parc, mais... on a trouvé ces choses. Ce sont des loups, mais... j'en ai jamais vu de pareil. La secte les appelle des juges. Ils sont plus gros, plus forts et plus résistants que les espèces du coin. La secte a voulu forcer mon équipe à l'aider. Quand on a refusé, elle a lâché ces choses sur nous. Ellie et les Whitetails m'ont sauvé. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer l'ascenseur. Je pensais que les choses se calmeraient avec la mort de Jacob. J'avais tort. J'ai une théorie qui pourrait nous permettre d'utiliser la formule de la secte pour traquer ces créatures. Mais j'ai que des cadavres pour l'étudier. Il me faut un juge vivant. Je sais que je vous demande beaucoup, mais j'ai pas le choix. La secte les dresse dans un vieux camp de vacances, le Breakthrough. Si vous faites ça pour moi, je pourrais concevoir quelque chose pour vous aider à traquer ces bêtes. Je vous rejoindrai au camp quand la voie sera libre. Ah, le jeu ami des animaux. Allez, une fin de loup. Alors en plus, il me semble qu'on avait fait une fin d'ours ou un truc comme ça à la vidéo d'avant. Alors j'ai le camp Breakthrough. C'est parti. Alors c'est à 1615 mètres. Est-ce qu'on peut se téléporter? Je sais pas par contre, parce que j'ai pas beaucoup de points de téléportation. Ah bah pile poil. Magnifique. Téléportation au camp. J'allais dire oui, j'ai pas beaucoup de points de téléportation en cette région, parce qu'on a été moins actifs à Wattail Mountains que forcément dans la première région du jeu, là où on a vraiment débuté. Donc sans compter bien sûr l'île de Dutch, mais ça c'est encore autre chose, hein. C'était vraiment le tout début. Alors, nous y sommes, sécurisez la zone. Vous étiez la pile au bon moment. Toute mon équipe a été enlevée et balancée à ces monstres pour qu'ils s'entraînent. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai failli y passer aussi. Alors, eh ben tu sais quoi, on va, je pense, on va monter la voie. Voilà, et on va essayer de... d'observer. Ces juges. Et franchement, ce qui se passe avec eux, c'est glauque. En gros, Jacob et ses soldats ont injecté à ces pauvres loups une sorte de drogue. Aucune idée de ce que c'est, mais ça les change en machines de guerre. Allez, bah écoutez, attention aux loups du coup. Il y a mon chien qui va essayer d'aller checker un maximum d'ennemis. C'est que la secte a l'air de pouvoir contrôler ces animaux. Ça paraît fou, je sais, mais j'ai vu les juges suivre les ordres des humains. Ce qui me fait peur en histoire, c'est que je crois pas que les loups soient les seuls à servir de cobayes. Ah d'accord, attention à ne pas faire de conneries, parce que bon, ça ne pardonne pas en général. Ok mon loup, enfin mon chien du moins, est-ce que tu peux aller checker là-bas s'il te plaît? Voilà, déplace-toi vraiment partout pour qu'on ait un petit peu un vrai aperçu. Là attention, parce qu'il y a un VIP de la secte qui va être un peu plus dur à tuer, c'est un petit peu chiant. Ah j'ai un visuel. T'es mort gros, par contre. Arrête de te baisser. Voilà, c'est bon, lui il y est. Bon, toi je t'ai vu. Ok. Bon, lui, je l'ai eu, attention au VIP encore une fois. Est-ce qu'on peut demander au chien d'attaquer celui-là là-bas? Vas-y, mon gros. Ah, ils vont le voir, non? Je suis pas sûr. Pour l'instant, ça passe. Bon, je le tue, on sait jamais. Et là, je pense qu'on peut y aller éventuellement. Allez, j'utilise la tyrolienne. Je peux pas? Ça marche pas? Voilà, qui est bon. Attention. Alors par contre, niveau alarme, j'ai pas regardé. En même temps, c'est un avant-poste qu'on avait effectivement déjà fait, donc Osef, j'ai envie de te dire. Bonjour, le loup. Ok, voilà. VIP de la sec qui arrive. Ok, je t'ai vu, gros. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Personnellement, je vois plus rien, je pense qu'il reste des loups. Ah d'accord. Foiré. Il m'a vu. Salopio. Ok, la voie est libre. Une seconde, j'y suis presque. Alors, attendez l'arrivée du docteur Perkins. Ok. Où est du monde? Ok. Attaque boomer, attaque.
Vas-y gros. Moi je reste en hauteur. Voilà, je prends pas de risque. Attaque. Le lâche pas Boomer. Bon, je crois que mon Boomer il fait pas le poids face à ces bêtes, mais voilà, heureusement que je suis là. Allez, je me permets de prendre les pots, ça fera des sous évidemment à la revente. Ça fait plaisir. Bon, par contre, est-ce qu'il y aura pas d'autres bêtes qui vont arriver pour nous manger? Ah d'accord, par contre, je suis plein. Il va falloir que je revende mes pots. Ok, alors attends. J'arrive. Ok, ouvrez la porte qu'on puisse commencer. Alors, le portail de l'enclos, c'est par ici. Ok. Voilà, c'est ouvert. Ouah, du sang partout. Maintenant, la meilleure partie. Attirez-en un à l'intérieur. Je vois aucun juge d'ici. On doit trouver un moyen de les attirer. J'ai une idée. La cloche du... Faut que j'en attire un dedans, un petit peu comme ce qu'on avait fait avec les vaches, avec les pierres. Bon, alors, placer un cadavre de dresseur dans le mangeoir. D'accord. Boomer, tu peux te déplacer, s'il te plaît, merci. C'est gentil. Ah, j'aurais aimé le bug, tu sais, qu'en fait, il y a Boomer qui vienne avec le corps, ça aurait été drôle. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. Je peux sortir? Oui, c'est bon. Voilà, je ressors vite et bien fait. Attention, j'en vois un. Il arrive. Le piège, il est. Non, il m'a vu! Non! Dégage! Non! C'est mon Boomer! L'enfoiré! Bon, je pense que ça va revenir après, hein, vous en faites pas. Viens par là! Ah! Je t'ai piégé! T'es piégé! Vous l'avez eu! Ok. Descends voir ça de plus près. J'étais pas sûr que vous y arriveriez. Mais vous l'avez fait. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Tu me prends pour qui? Attends, je suis un professionnel, madame. Bon alors, comment je lui parle? Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle se déplace. Elle peut pas rester sur place. Viens ici. Ici. D'accord, elle veut nous parler sur le toit. C'est une demoiselle étrange. Mais enfin bon, si elle veut. Bon, je peux te parler? T'en fais pas. Je sais pas comment vous remercier. Avec cette bête, j'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser une formule. Tenez, prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Ok, thank you. Et voilà, mission terminée, une fin de loup. Et c'était donc apparemment une mission principale. Alors, stimulant. Ah, on apprend encore des trucs. Maintenez LB pour ouvrir la roue des armes, puis effectuez RB pour ouvrir la roue des utilitaires. Sélectionnez vos stimulants, maintenez Y pour en confectionner si vous en avez vous avez suffisamment de composants. Et appuyez sur X pour les avaler. Oui, mais ça je connais, hein. Chasseur ultime amélioré, moins de composants requis. Eh, mais c'est vrai qu'aussi ça améliore les compétences quand on fait des missions, hein. C'est important, hein. Alors, je peux fabriquer, confectionner bien sûr des composants. Par exemple ici, je peux composer survivant ultime. Voilà. Qui permettra de subir moins de dégâts pendant un certain laps de temps. Étrangement bon dans les brownies. La cause et la solution est de beaucoup de problèmes. Ah bah l'alcool évidemment. Bon, je vais pas en prendre parce que ça sert à rien actuellement, mais c'est cool. Cette édition du festival doit marquer les mémoires et faire oublier Eden's Gate. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'avoir des boules de qualité. Ah voilà, donc le but, des boules de qualité. Ah, ça me connaît. Bon, allons-y. C'est parti pour cette nouvelle mission. Attends, je vais prendre cette arme, parce que là, c'est vrai que je me sens mieux avec ça pour me défendre. Récupérer les 3 types de testicules de taureau. Ah oui, d'accord. Les testicules de taureau. Il me faut les meilleures boules, là. Alors, il n'y a pas de taureau, là. Il n'y a que des... D'accord. En gros, il faut que je shoote. Très bien. Voilà. Récupérer... Alors, tuer un taureau en pleine saillie. Récupérer les 3 types de testicules de taureau. Donc, ce sont les taureaux. Non, ça c'est un taureau. C'est quoi la musique? S'il te plaît, c'est quoi la musique? Allez, vas-y mon beau. Oh non, la musique, copyright. Maybe. Ah, c'est excellent. Laisse tomber. Laisse-les faire un peu. Mais cette blague, putain. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Regardez. Oui, il y va.
Ok. C'est excellent. Ah mon dieu. Ah là, je suis méchant. Oula, calme-toi. Oula. Allez, testicule de taureau, merci. Ah mon dieu, mais c'était énorme la musique qu'ils mettent avec. Mais laisse tomber. Alors il me faut un tracteur déchiqueteur. Bah tiens, il y en a un ici en plus. Ah c'est marrant ça. Alors tu peux effectivement récupérer très rapidement les testicules de taureau. Mais tu peux le faire de différentes... Mais calme-toi. De différentes manières. Et ça c'est top. Allez, allons-y. Ah par contre c'est dégueulasse. Oh mais la musique quoi qui t'ont foutu. C'est énorme. Ah. Ah c'est moche. Regardez-le. Il se fait plaisir. Regardez-moi ça. Ah c'est magnifique. Par contre il est pas content là. Alors par le feu. Donc tu veux dire style cocktail. Ah dommage que je n'ai pas de lance-flamme. Ça c'est con. Allez brûle. Enfin, je pense qu'on peut l'avoir avec un cocktail hein. C'est bon. Je récupère les testicules. Putain je suis en plein milieu du champ là. Oh putain par contre ça va tout brûler. Dynamite. Parce que je récupère effectivement des bouboules. Oh mon dieu. Oudoudoudoudoudoudou. Quelle horreur. C'est pour toi. Oh mon dieu c'est immonde. C'est immonde. Ah par contre c'est vrai que quand tu les fais exploser avec ta dynamite, le gros souci en fait, eh ben c'est que la viande est abîmée. Parlez à Casey. Ben voilà, mais dis-le. Oh là là, c'est incroyable. Parle, cause. Alors, c'est ici apparemment, on va se téléporter dans ce champ juste à côté. Et je suis content parce que franchement, on a récupéré les testicules, c'était bien marrant, c'était bien fun. Et puis alors la petite musique, magnifique. Franchement, génial avec effectivement ces petits côtés quand il saillit et tout, petite musique sexy, enfin, tu vois. Non, non, c'est super bien pensé, franchement. Le jeu a vu juste pour cette mission annexe. Allons parler à Casey. Et ce qu'il faudrait que je fasse, ce sera bien, c'est de faire des missions annexes en fait, qui nous débloquent les missions principales. Voilà, parce que c'est vrai que les missions principales, ça peut peut-être nous faire gagner effectivement plus de choses encore que les missions annexes, même si c'est important aussi, attention. Allez, d'ailleurs, il y a une mission annexe encore une fois à débloquer ici. Je pense que je la débloquerai histoire d'en avoir pas mal de côtés. Vous les savez, vous avez récolté mes beaux joyaux taurins. Eh ben, je crois que le festival de cette année va entrer dans les annales. J'ai hâte de pouvoir croquer dans un de ces bijoux. Une fois que j'aurai assaisonné et attendri tout ça, mes beaux petits rognons vont en faire saliver plus d'un. C'est dans ces moments qu'on se rappelle ce qui compte vraiment. Nos amis, la famille, notre communauté, la vie, quoi. J'y serais jamais arrivé sans vous, la star. Bon, vous allez quand même pas repartir sans goûter ces merveilles, quand même. Ah, enfin une bonne nouvelle. Quelques verres plus tard. Ouïouïouï. Ah non. J'ai bu. Mon dieu. C'est terrible. Ah d'accord. Tirer sur les cibles. C'est un peu compliqué, non? Ah d'accord, faut péter les ballons. Avec cette arme, avec la fronde. Cette arme qui ne fait aucun dégât, qui est là peut-être pour faire diversion face aux ennemis, mais... Oh, c'est compliqué viser. Ça bouge dans tous les sens. Jure. Restez 10 secondes, ouais, c'est bon, j'ai le temps de tout péter. Facile. Ouais. Easy. Ouais, il faut dire que le jeu laisse le temps quand même, hein. Il y a une marge de manœuvre assez énorme. Je suis complètement bourré. Ah, je me retrouve... Oh putain, les cochons avec le... Avec le petit chapeau. Je me retrouve au milieu des animaux, quoi. Oh là là! Incroyable! C'est ça que ça fait l'alcool! Allez, récolte d'animal. Ça s'est fait 1425$, putain bien! T-shirt estival, disponible dans le menu de personnalisation. Nice. Nous sommes à Sunrise Farm, un avant-poste effectivement qu'on a récupéré l'autre fois. Et il y a une mission annexe. Tu pourras m'aider à réparer cet endroit? La secte a vraiment foutu le bordel ici. Le système d'irrigation est salement amoché. Il y a des morceaux de tuyaux éparpillés un peu partout. Je les ai presque tous. Mais je crois qu'il en manque encore trois. Trouve-les et remets-les à leur place. Et ensuite, la ferme sera comme neuve. D'accord, pas de soucis. Alors, flotte en stock. Les pierres d'irrigation. Ok, tu m'as pris pour ta bonne, comment ça se passe? Bon, alors, faut que je monte là. Oui.
Et comment? Il y a une échelle? Non, il y a juste un tuyau et on ne peut pas monter au tuyau. Comment on fait? Attends, je peux tirer dessus? Ah, d'accord! C'est tout simple que ça! Très bien. Alors, une pièce. Bah, fallait le dire. Alors, deuxième pièce. Non, là. Mais non! Mais reste là! Ouh, t'as failli m'énerver, toi. Petit coquinou. Coquinou, coquinette. Allez. Alors, et la troisième pièce à récupérer là-bas. Bon, effectivement, là, tu ressens bien que c'est une mission annexe. Tu vois, là, clairement, bon, j'ai très FedEx. Allez, je vais récupérer ça. Par contre, t'es relou parce que... oui, comment je monte? C'est génial. Bah, juste en sautant. Juste en sautant, Galaxou! Voilà! Ah, il faut quand même placer les pièces. Ok. J'espère qu'il n'y a pas un ordre, un sens et tout le bordel. Hein. Non, parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes pièces qu'on a récupérées. Donc logiquement, non, il n'y a pas de question de sens. Mais bon, ce que je dis par contre n'a aucun sens. Ça, oui, c'est sûr. Non, je vous l'accorde. Alors, ok. C'est quoi qui... il me semblait qu'il y avait un truc qui... Oh my god. Il me semblait qu'il y avait un truc qui me chargeait là. Tu vas te calmer, bro. Non mais reste là du coup. Assume. Non mais oh! Quand tu attaques, attaque jusqu'au bout! Assume les choses! Sois un grand! Allez! Et enfin, on place la dernière pièce. Attends, je suis dans mon champ à citrouille, comme ça je me fais attaquer tranquillou. Y'a rien demandé à personne, moi! D'accord. Et voilà, flotte en stock, ça c'est fait. Bon, du coup, effectivement, c'est beaucoup plus rapide aussi qu'une mission principale. Voilà, chose faite. On gagne de l'argent. D'ailleurs, beaucoup d'argent, ça fait plutôt plaisir. En 1960, Clutch Nixon, à l'époque cascadeur peu connu de Holland Valley, subit une combustion spontanée en effectuant une cascade intitulée Le baptême du feu. Ah oui, quand même. Allez, c'est parti pour le baptême du feu, mesdames et messieurs. Pourquoi la voiture elle part en cacahuète? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Bon, on va essayer de pas traîner, évidemment, c'est le principe d'une course. Oh, magnifique! Les rampes, évidemment, la parcours un peu plus classique que ce qu'on avait fait avec l'avion l'autre fois. Wouhou! Ah, puis alors, les musiques dans le jeu, par contre, c'est vrai qu'elles sont excellentes. Ça colle parfaitement avec l'ambiance. L'eau qui permet de réduire, effectivement, quand on passe dans les portes, un petit peu les flammes. Quel incroyable atterrissage! Mais c'est clair! Cette voiture doit être un vrai four! Oui, c'est un vrai four! Alors là, il y avait un peu des deux, il y avait des flammes et de l'eau! Va falloir se décider un moment! Ah. Ok. Bah pour l'instant, on garde écouter. Oh putain, j'ai touché! On garde une vingtaine de secondes d'avance. Donc il n'y a pas de soucis pour l'instant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense à la rampe finale. Wouhou! Cette voiture doit être un vrai four. Tu l'as déjà dit. Et voilà, ça s'est fait. Bah écoutez, c'est bien passé. Bah oui. Ça s'est très bien passé. Moi, je suis très content. On s'en est super bien sorti. Et mine de rien, c'est des missions très très cool. Vraiment. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai, Agne? Des sous-sous? Encore et toujours? Je pense. Oui, 754-400 et Oncle Sam débloqué dans les garages. Ah oui, c'est vrai qu'on débloque les voitures à chaque fois. On doit retrouver les camions citernes pour réapprovisionner la station-service. Ah bah écoutez, on va aller ici. Ok, nous y sommes. Alors, je pense qu'il faut qu'on... Attention à des méchants. Écartez-vous du camion. Salut, bro. Mais putain, tu l'as eu. Fais chier avec ton ciblage à la con, là. Ferme-la. Restez tranquilles, les boys. C'est bon, toi tu meurs. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Je n'ai pas touché. Ah si, il a été touché un petit peu. Attends, faut qu'on le répare. Faut qu'on le répare vite fait, bien fait. Répare-moi ça, gros. Voilà, répare. Très bien. Par contre, éteins le feu si tu veux bien. Voilà. Très bien. Bon, attends, juste est-ce que... Ah, ça a pas réparé l'avant, j'ai l'impression. Bah si. Non, c'est juste que ça fume toujours en fait. C'était comique. Ok, bah écoutez, prenons le camion citerne. Et le ramener où? Attends, il faut le ramener où? Parce que t'es bien gentil, mais
J'ai pas suivi juste l'objectif. Vous le ramenez où? Ah non, c'est là, je crois, non? Ramener le camion citerne, faire le plein. Ah. Ouais, je suppose, hein. Attends, c'est une autre mission secondaire là-bas. Mais ramener le camion citerne où? Ici? Eh ben, si c'est là, moi je veux bien. Je pointe du coup. Je suis pas sûr. Mais c'est cool ça comme mission aussi. Un petit peu de transport. Par contre, faut pas qu'on croise effectivement des méchants parce que il y a un gros risque effectivement avec ces véhicules. C'est que quelqu'un tire dedans, tu vois, comme nous, hein, quand on tire dedans, ça explose, mais alors à une vitesse phénoménale. Ok. Nous y sommes. Ah! Déblocage de cash, ça peut être sympa. Et oui, nous sommes à la station service. C'est parfait, voilà. Faire le plein, tu vois, c'est vite fait en plus. Ouverture de la saison. La secte a planqué plein de matériel dans l'ancien camping au bord du lac. Je te passe les détails, mais j'ai réussi à piquer leurs clés. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas accès à leur planque avant un moment. Ça devrait te laisser le temps d'y aller et de tout prendre. Par contre, tu vois, il y a un truc qui est con, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas en fait de comptabilisation. Attends, on est où là? Ah merde, on était ailleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas de comptabilisation en fait des caches de survivalistes. Parce que ça compte pas dans les missions en fait, hein. C'est pas une mission ça, hein. Calu s'occupe de ton cas. Il y a un nouvel ordre mondial qui s'instaure autour de nous. T'es pas d'accord? Moi c'est Twig, techniquement Aaron. Mais pas besoin d'utiliser nos vrais noms, pas vrai? Non, ça sert à rien. Tu fais pas très secte. Je dirais même que tu dégages un truc anti-secte qui me plaît bien. Tu sais, je bosse sur quelque chose pour les gens comme toi qui s'en prennent à la secte. C'est top secret, ultra sensible. Je me considère en quelque sorte comme un chimiste amateur professionnel. Et j'ai des recettes qui te rendront plus balèze, plus rapide, plus fort et meilleur. Crois pas que c'est de la drogue, c'est que des boosters de performance. Ça te plaît comme terme? Je le savais. Le seul souci, c'est que je suis à sec. Il va me falloir d'autres ingrédients spéciaux. J'irai bien les chercher, mais j'ai du taf là. Si ça te branche, trouve le matos et retrouve-moi à Prosperity. C'est un petit bled au sud-est d'ici. Crois-moi. Allez. Alors, Fast, bah bien sûr, on trouve l'île de grâce sur les cadavres d'anges. Rejoignez le terrain de jeu de Twig, donc ça c'est fait. Mais d'accord, c'est là-bas. Waouh, t'avais pas plus loin, non? Ah, mais d'accord, puis en plus, ouais, c'est super. Ok, j'arrive à le terrain de jeu, apporter les ingrédients à Twig. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a de la résistance? Je ne sais pas. Donc Twig est là. Ça c'est bien. C'est quoi les ingrédients? Parce que je suis pas au courant des ingrédients, moi. Libérer ton esprit, c'est ce qu'il nous faut. Cool. Ce mélange va te secouer les neurones. Ça va te transformer en monstre. Ton propre père te reconnaîtra pas. Ton père est sympa. Le mien, non. Il a aidé les cinglés à faire leur potion magique. Il a même utilisé mon cochon d'Inde comme cobaye. Pauvre Hamlet. Ah, oh, désolé. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, la drogue. Pardon, les boosters de performance. T'auras plus de jus qu'un catcheur pro. Les cinglés vont pas comprendre ce qui leur arrive. Mais on doit faire des tests. J'ai préparé un parcours d'obstacles pour voir tes réflexes. C'est scientifique et tout, hein. Et plein de surprises. Tu vois le genre. Finis le parcours pour que je puisse déterminer ta dose. Il m'éclate, lui. Équipez-vous du fusil à pompe. Ah, d'accord. Bah, heureusement que tu te fournis parce que j'en avais pas. Super. Détruisez les cibles. Mais où? Ah! Au-dessus? Attends, je passe par là. Ah! C'est cool si je commence à tirer à côté, quoi. Ok. Alors, je suis curieux de voir un petit peu mes performances, mon gros. Super. Je joue très mal en plus. C'est magnifique. Bon, je pense pas qu'il y a vraiment de répercussions, hein. Non, c'est pas lui, putain, je croyais. Ok, le mec il met 20 ans pour tirer. Équipez-vous de l'ARC. Oh, c'est pas mal, il va nous faire tester un petit peu toutes les armes, ça nous entraîne. Allez, détruire le truc là-bas. Ah merde, mais dans la maison. Ah oui! Fallait le dire! Tu m'énerves un peu. Ok, voilà.
Ça se déplace en fait dans la baraque. Le mec qui passe tout son chargeur. En même temps, c'est relou, ça bouge tout le temps. Avouez. Ok, qui vaut de la batte de baseball. Alors là, logiquement, c'est plus du corps à corps. Si tout va bien. Donne-moi ça. Ok. Frapper les cochons. Ah bah non. Ah, jusque là, la mission se passait bien. Oh, le pauvre cochon. Eh, hey, reviens, cochon. Cochon. Le pauvre, il a rien demandé, quoi. Alors, parlez à Twig. En plus, on les tue même pas, hein. Enfin, tant mieux. Mais on leur fait du mal, quoi. De la maltraitance. C'est moche. Franchement, c'est moche. Aucun gars n'aura jamais mangé. Comment c'était, hein? Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais quelle note? J'ai pas eu trop le temps de faire des tests. Enfin, bref, tu l'as fait à jeun. Alors maintenant, tu vas le faire sous speed. Mais pas du speed, hein. C'est du fast. Règle numéro 1. Choisir des noms forts et simples. Comme, orange. Parce que les oranges, c'est orange. Tu piges. Celui qui a eu cette idée est un génie. Prends ta dose, fais le parcours, tire sur les cibles, bute les porcs. Facile, hein? Ah ouais, oh, t'en fais pas pour les porcs. Ils devaient y passer de toute façon. Ils savent pourquoi. Allez, on n'a pas toute la journée. C'est parti. Quelle idée j'ai eue de commencer cette mission. Franchement. Alors, équipez-vous du fusil à pompe. C'est reparti, mais maintenant il faut que je prenne le fast. Ta putain de vie. Alors attends, équipez-vous du fusil à pompe. Oui. Non, fusil à pompe, on a dit. Prenez le cible en fast. D'accord, il est là. Utilisez le stimulant fast. Donc si je ne m'abuse, c'est comme ça. Et le stimulant fast, c'est lui, non? Origan? Attends. Ah, fast. Voilà. Consommer. C'est parti. Ouais. Ah merde, j'aurais voulu. Personnellement, ça m'aide pas, hein. Je dis, franchement... Ça m'aide pas du tout. On va être franc avec vous, je suis pas plus rapide. Et peut-être que moi qui suis pas plus rapide. Oui. Merci. Détruisez. Ok. Ah si, il recharge plus vite par contre. Par contre, c'est vrai qu'il recharge beaucoup plus vite. J'avoue. Oh mais le temps qu'il laisse par contre c'est abusé. What? Ouais c'est ça le truc. Ouais le bienfait c'est que tu recherches. J'ai plus de munitions. Ah. Je peux pas faire. Donne-moi ça. Voyons que ça tire plus du coup. Ok bon c'est bon il me reste 2.32. Si j'arrive pas j'arrive jamais quoi. Ah suffit de viser quoi. Ah ouais mais non j'avais pas beaucoup de munitions hein. Tuer les cochons. Ah mais non. Abuse pas! Oh les pauvres cochons! Oh les pauvres cochons! Oh bordel de cul! Y'a par ici, jambon! Voilà! Tout est bon dans le cochon! Ok. Ah ça me stresse ce stimulant! Ça me stresse de fou! Hein. Je dis franchement. Allez, descends de là toi! Tiens, poiré va! Barjo! Bon, je peux te causer? Dommage que nos pères nous voient pas. Hein? Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Les médicaments, c'est la solution adaptée à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Si t'as besoin d'une dose, la recette du fast est à toi. Surtout, suis-la bien. Faudra pas te plaindre si tu te plantes. Hein? La science, c'est précis. Je peux te révéler un petit secret. Je compte bien développer ma gamme de produits. Tu piges? C'est un petit truc qui t'aidera à récupérer davantage de puissance physique. Avec ça, t'auras la force de 10 mecs, ou peut-être de 4 gros balèzes. Bon. Eh ben allez, pour résumer la mission Fast, du coup, je pense qu'on peut dire une chose. La drogue, c'est mal.
Ok, moins de composants requis, face améliorée, très bien. Et ouais, la drogue, c'est vraiment très mal quand on le voit lui. Furious, mission annexe débloquée, très bien. Bon, eh bien écoutez les amis, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter ici. Nous en sommes donc au niveau des missions dans cette zone. Nous sommes à 21 missions sur 43, on est encore loin évidemment de la fin. Là, nous sommes à 44 sur 52, donc je pense qu'effectivement, on se concentrera sur la région de John la prochaine fois pour faire ces petites missions. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas les amis, cette vidéo aujourd'hui sur Far Cry 5. On se retrouve très bientôt pour la suite, dès demain logiquement. Merci à tous, vive les jeux vidéo et à très vite. Ciao, ciao. Yeah.